À tous. Bonjour tout le monde et eh ben j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouveau live sur la chaîne de Adobe France ou sur Beans. Je suis Pauline et aujourd'hui je retrouve, j'invite je re... mon Soir, invité. Reçoit, voilà. bienvenue, retrouve. je reçois. <laughs> je sais pas trop, voilà, euh, Antoine Loustie, salut Antoine. Salut, j'espère que ça va. <laughs> bah écoute, euh, moi j'ai la pêche. J'espère que moi ça aussi. va vous sur le chat aussi. Alors avant d'attaquer, c'est le rituel de la tournée des bonjours. Du coup, bienvenue à tout le monde sur YouTube. Si vous êtes sur YouTube, il n'y a personne sur YouTube, donc c'est bien, donc tout le monde est sur Beyoncé maintenant. Il y a Alexandre qui va quand même vous partager le lien pour nous retrouver du côté Biens. Et du côté Beyoncé, bah, vous êtes pas mal déjà. donc Bonjour à Delphine, euh, Dylan, Franck, Niki, Marc, Clémentine, Eloïste, Ticugneau, Alison, Sessoun. Il y a pas mal, il y a des nouvelles têtes, il y a des habitués. Donc, super cool que vous soyez là. Merci à tous. Et bah, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous les poser pendant le live. Et puis voilà. Et bien, Donc, moi, je dis... Déjà, merci ouais. de merci de m'inviter. <laughs> euh, Bonjour écoute, à tous rien. tous ceux qui sont déjà là. Ça fait plaisir. Bah oui. Alors du coup, j'ai entendu dire que Franck, tu avais déjà reçu l'année dernière. Exactement. Merci. Voilà. Et euh, c'est vrai qu'on euh... avait papoté pendant pas mal de temps. Et bah ouais, euh... et puis tu si on réinvite les invités, c'est que c'était bien. Et voilà. Mais, <laughs> mais c'est vrai qu'on s'était dit, en fait, ce qu'on s'était dit euh, euh, à ce moment-là, c'est que comme on avait beaucoup parlé et pas trop parlé euh, technique ou processus créatif, on s'est dit, on fera un, un deuxième volet, un deuxième épisode euh, vraiment plus, euh, plus euh, axé sur le, sur le processus créatif et les techniques. Et donc, euh, c'est donc aujourd'hui. <laughs> Allez, c'est parti. Et hum, moi, je hum, me hum, mets hum. le live sous les yeux en même temps euh, euh, sur, sur Béance. Donc, à faire comme ça, je, je pourrais... Au pire, dans tous les cas, tu, tu me diras les, les questions, sinon. Je ne l'ai pas Oui, oui, ouais, t'inquiète, toi, tu peux rester ouais. concentré, il n'y a pas de souci. Ça marche. Bah, avant d'attaquer, est-ce que tu nous ferais quand même une petite présentation Qui tu es Qu'est-ce que tu fais dans la vie et à quoi ça ressemble tu vois Ben écoute, je m'appelle Dwayne Johnson, je, je suis euh, acteur américain, <laughs> et euh, ça, ça, ça se voit pas. C'est donc ça les moucles <laughs> Pardon, non mais j'ai pas mis le masque en fait. Euh, genre, non, je m'appelle Antoine Losty, du coup, L-O-S-T-Y, et donc euh, ben, je, je vais... Euh, on, on en parlait en off, mon nom c'est... c'est pas mon nom de famille, Losty. Euh, Losty c'est mon pseudo, parce qu'en fait c'est juste le verlan de, de stylo, en fait. Ah mais ok <laughs> Voilà simple, efficace euh, et, euh, et en fait je l'ai depuis très longtemps ce nom parce que euh, je dessinais beaucoup euh, à l'époque au, au stylo bic euh, quand j'étais au collège, lycée euh, dès que, que j'avais pas un, un crayon un truc euh, hot sous la main c'était le stylo bic et donc euh, je me suis dit euh, on va on va switcher Bref, voilà le nom que j'ai gardé. Et aujourd'hui, tout le monde, je reçois des colis au nom de Antoine Losty, en pensant que c'est mon nom de famille. Et c'est drôle parce que du coup, quand ça reste dans la tête des gens, c'est le plus important. Euh, et puis, du coup, bah, je suis illustrateur en freelance, euh, illustrateur, directeur artistique aussi, caractère designer. Euh, donc, j'ai bossé un petit peu avec euh, avec pas mal de, de, de gens euh, du milieu du web, beaucoup au, au début euh, de, 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 de mon ma carrière, entre guillemets, euh, d'indépendant, euh, c'était beaucoup de euh, le milieu du web, donc euh, YouTube, euh, avec McFargalito, Squeezie, euh, tout ça. Euh, donc pas mal de, de DA, de Twitch et tout ça. Et, euh, et aujourd'hui, c'est plus axé sur l'édition. En ce moment, euh, je fais du coup de la direction artistique pour, pour de la BD. J'ai moi même sorti une BD qui s'appelle Splash avec euh, TV Nova et Adrien Leray. Euh, c'était euh, en 2021, c'était l'année dernière en août, et, euh, et sinon, oui, je fais pas mal de, de couverture de bouquins aussi pour, pour une, une maison d'édition qui s'appelle Random House à New York. Voilà. Et, euh, et là, en ce moment, je me tourne beaucoup plus sur, sur l'animation, le milieu du cinéma d'animation, parce que l'industrie du cinéma d'animation, c'est quelque chose qui me fait toujours vibrer, qui m'a toujours fait vibrer. Comme j'ai fait, fait une école d'animation, moi j'ai fait trois ans dans, dans une école d'animation à Bordeaux qui s'appelle le CV. Euh, voilà, du coup en ce moment mon, mon travail est en train de se de bifurquer vers, euh, vers là, donc plus pour du character design ou du background de painting, euh, vu que c'est ce qui me fait vraiment vibrer et ce qui m'a toujours fait euh, plaisir de faire. Et, et c'est pour ça que les illustrations mettent beaucoup en scène des personnages, plus que des concept art ou des choses comme ça. Quoi. Mais voilà. euh, ça va, tu t'ennuies pas un peu des fois, tu vois, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses, je trouve. <laughs> Euh, en vrai, j'aimerais bien m'ennuyer des fois, parce que j'avoue que ah, c'est marrant parce que j'étais en live la dernière fois avec euh, un, un ami illustrateur euh, qui s'appelle Monsieur Box, euh, Monsieur Boîte, euh, Mister Box, on peut l'appeler euh, un peu de tous les noms. Et euh, donc, il est illustrateur de BD. On était en live, on parlait et je lui disais que j'avais une grosse, grosse remise en question et, et un petit début de burn out aussi, il euh, n'y a pas si longtemps, euh, qui m'a fait vachement repenser euh, à, à toute ma vie artistique et... Et ce que je voulais vraiment faire et, et tout ça. Okay. Et, euh, et je pense qu'il y, y a des fois on se cache, euh, derrière, euh, on se cache derrière beaucoup beaucoup de projets, s'accumulent euh, pour euh, se dire qu'on est en sécurité, on a on a du taf et on et on fait plein de trucs euh, divers. Et des fois on en oublie en fait juste de, de, de le faire pour nous euh, et euh, et de, de prendre plaisir à, à faire ça pour pour notre passion quoi. Et, euh, et voilà. Donc, euh, ouais, là, c'est vrai que c'est une vraie question. J'essaie je, de m'ennuyer un peu plus, quoi, de me laisser du temps aussi euh, à juste euh, bah, créer pour moi ou même rien faire aussi, c'est bien. <laughs> ouais, carrément. Bah, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu ton univers comme ça On va pouvoir euh, se plonger dedans et carrément. Ça pour discuter. je vais aller, au... euh... Instagram, hein, tu vois, ou ce que tu veux. Je vais aller, ouais, je vais, je vais aller sur Insta. Ça, ce sera... ce sera accurate. Mais attends, c'est allé... allé très vite pour toi parce que tu es aussi assez jeune, quoi. Ça euh, allait super vite. Ouais. J'ai commencé, euh... commencé à... J'avais 20 ans, euh, à peine 20 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 24, bientôt 25. Euh... Et donc, ouais, ça fait bientôt, euh... bientôt 5 ans. Euh, et euh, et oui, non, c'est vrai que c'est aussi pour ça que des fois tu repenses un petit peu à tout ce qui s'est passé. Tu te dis ok, là, c'est allé super vite parce que en fait, ça allait vite parce que euh, j'ai très vite bossé avec, euh, j'ai très vite bossé avec euh, avec le milieu de du web et YouTube et tout ça. Et, euh, et donc euh, ce... peut-être me mettre en... comme ça. Enfin, voilà, là, c'est je... bon, je vais, va bien, hein. ça. Ouais. je vais faire comme ça. Et, euh, et ouais, non, du coup, le, le, ce, ce milieu-là, c'est un milieu qui va super vite. Et donc, euh, tu mets un pied dedans et de suite, il bah, y a une communauté qui se crée. C'est comme ça que sur Instagram, j'ai réussi à avoir une, une petite communauté. Euh, je fais défiler en même temps comme un diaporama. <laughs> ma main droite, c'est Mais... un diaporama. <laughs> bah oui, J'ai bah, vu que tu avais fait une vidéo avec Balo, justement, qu'on a déjà reçu plusieurs fois aussi. Oui, euh... carrément. Ouais. Euh, Balo, du coup, on se, on se suivait de, depuis un petit moment. On s'est dit, on, on va créer un truc ensemble. Ça, c'était cool. Et du coup, ça, ça rejoint euh, le, le milieu du web. C'est un, un milieu qui m'a toujours euh, euh, super intéressé. Parce que, bah, comme tu disais, ça va, ça va très vite. Euh, c'est euh, je sais pas, ça crée, c'est de la création de contenu euh, euh, en permanence. Et, euh, et au final, euh, aujourd'hui, c'est plus un truc aussi qui me, qui me fait un peu peur aussi. Parce que justement, tout va tellement trop vite qu'on en oublie de, ouais, de vraiment profiter de, de quelque chose qu'on a créé. Euh, et on crée, hop, on passe à autre chose. On crée, on passe à autre chose. Et, euh, mmh. et donc, euh, c'est donc pour ça que c'est ouais, allé très vite dans les premières années. Euh, euh, quand j'ai bossé avec, euh, avec McFly, Squeezie, c'est des projets qui s'enchaînaient. Et, euh, et au final, euh, ouais euh, je me suis vite retrouvé oui, avoir euh, un, un petit carnet d'adresses euh, cool. Et, euh, et donc voilà. Mais je, je suis content que du coup, mon travail ait pu s'exporter au delà du milieu du web et au delà de, de YouTube et euh, au delà de tout ça, parce que euh, des fois, on, même si c'est pas forcément vrai, on peut ne pas être forcément très pris au sérieux quand on a cette étiquette là euh, de dessinateur ou illustrateur pour euh, les youtubeurs ou quoi que ce soit, euh, bien que ce n'est pas forcément vrai. Et, euh, et du coup, voilà, c'était cool de pouvoir s'exporter même dans le milieu de l'édition, euh, dans le milieu un peu de l'animation. Euh, et voilà. Bah ouais, sortir un petit peu de... Ça a l'air d'être aussi un milieu qui a l'air très en huis clos, tu vois, d'un point de vue extérieur. Enfin, j'en sais rien, mais du coup, c'est vrai que c'est cool si tu peux rebondir ailleurs. Bah du coup, c'est quoi les... ton projet de rêve J'aime trop cette question. Tu Mon vois, sur quoi tu reviens Ah ouais, ça c'est ouais. marrant parce que... Euh, on en attaque direct, tu vois. Ouais, 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 on, on, on attaque direct sur, sur, sur le rêve, sur le, sur le dream. <rire> <rire> euh, le, le, le projet de rêve, c est, c est pas, je crois que c'est pas vraiment un projet de rêve, mais plutôt un... Euh, en fait, j'en ai plusieurs, j'ai forcément plein de choses que j'ai envie d'accomplir et, et c'est vrai que je me suis rendu compte que dès que j'accomplissais quelque chose que j'avais envie de faire, euh, j'étais directement obligé de recadrer un objectif euh, euh, pour remettre un petit, un petit rêve qui, qui, qui aide à avancer, un petit moteur. Quoi. Euh, donc en fait, c'est plusieurs euh, plein de petites étapes. Mais clairement, ouais, un truc vraiment de rêve, ce serait vraiment de bosser avec, euh, avec Dreamworks ou des, des, des studios comme ça. Euh, ouais. d'être donc d'être créateur de personnages pour pour des films d'animation de, de cette envergure là ça, ce serait vraiment un, un gros gros un, ouais un gros rêve pour moi et c'est marrant parce que je rencontrais le réalisateur de, de Dreamworks de de the bad guys le dernier film de là qui est sorti je l'ai rencontré il y, a, il y a pas si longtemps et c'est ça m'a encore plus donné envie de d'échanger avec lui et ça m'a donné envie de de de, voilà, de, bah, de de réaliser ce rêve là et euh, bah, oui. voilà, c'est un peu le, ça, En ce moment, c'est ça. et C'est vrai que ça, ça évolue euh, souvent euh, dans, dans certains trucs. Après, il euh, y a des, des rêves encore plus gros. Moi, j'aimerais bien réaliser un film d'animation. Ouais. Euh, de, de, ou pas tout seul, mais avoir une, une petite équipe euh, pour le faire, que ce soit 2D ou 3D. Avoir. Mais euh, euh, voilà, gérer la, la direction artistique pour, pour un film d'animation, ce serait génial. Et un film, peut-être que. Que j'ai écrit ou quoi à, à voir. Donc, euh, mais voilà, c'est vrai que euh, j'essaie je de prendre le temps parce que je suis souvent pressé de faire plein de trucs et il et faut, faut essayer de, de prendre au maximum le temps euh, pour les faire bien quoi, et pas les faire vite, euh, ces choses-là. Surtout que c'est des choses qui prennent du temps, forcément. Donc, euh, donc voilà. Eh ben, écoute, tout cool. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Tu as déjà fait tellement de trucs en quatre ans. <laughs> Bon, tu vois, on a tendance à oublier, je ne sais pas ce que tu en penses, que les carrières créatives, en fait, c'est toute une vie, quoi. On a toute notre vie pour, pour améliorer ouais. notre, notre craft, pour dessiner mieux, pour faire un réseau. Enfin, tu vois, on n'est pas obligé d'être pressé et de tout faire en deux ans, quoi. Donc, ouais, euh... tout à fait. mais C'est vrai que c'est un truc qui ne m'a euh, pas frustré, mais euh, qui m'a mis un peu la, la pression, bizarrement. C'est que quand je suis partie de de mes cours à l'ECV, donc j'ai fait trois ans et je suis parti. Je n'ai pas fait le master parce que j'avais déjà des propositions du coup pour du freelance, pour de l'illustration en freelance. Et je me suis dit OK, c'est une occasion à ne pas manquer. un voilà, c'est un, un tremplin à, à prendre de ouf parce que je savais que ça allait aussi attirer une, une communauté et que ça allait me, me faire un petit nom là dessus. Mais euh, sans forcément avoir de regrets, je me dis aujourd'hui, euh, c'est marrant parce que j'aurais pu prendre totalement un autre chemin euh, et arriver. En fait, là, c'est comme si je tournais autour du pot euh, et que j'avais fait plein, plein, plein de choses. Mais ce rêve dont on parlait de bosser pour, pour ah, euh, des gros films ouais. d'animation, au final, euh, ouais. je, je suis un peu dans ce milieu et en même temps, euh, je suis un peu ailleurs en même temps euh, avec l'édition, le, 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 les illustrations pour, pour le milieu du web, etc. Donc, c'est des choses voilà, qui, qui remettent en question. On se dit, ben, OK, là, c'est comme si j'avais fait un cycle m'avait apporté énormément euh, énormément d'expérience énormément de, de de contacts de choses comme ça qui avait énormément aussi amélioré euh, bah, ma, ma qualité graphique donc euh, ouais, aujourd'hui je ressens vraiment le besoin de d'aller de, de, euh, butiner euh, dans, dans ce domaine là de, de l'animation et euh, mais c'est vrai que comme on dit on a on a toute la vie quoi pour pour ça euh, mais je pense que le ouais. fait d'être un peu un peu pressé à faire les choses c'est comme un moteur aussi des fois et, euh, et donc, ça te pousse à être, euh, être meilleur, à être, euh, à être motivé, et à, à garder la passion. Euh. Ben bah ouais, c'est ça. Et je, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis sur le fait que euh, cette sensation de spirale, tu vois, de trucs, genre plus tu avances et plus tu te rapproches un peu, mais en tournant, en tournant un peu euh, autour du pot, moi je, me, je le ressens vraiment comme ça. Et... Il y a pas mal de créatifs qu'on reçoit. Eux, ils, sont, euh, ils savent ce qu'ils veulent faire. Euh, ils vont droit au but. Et, et en fait, c'est aussi cool d'avoir d'autres euh, bah, d'autres manières d'appréhender euh, cette vie professionnelle. Tu vois C'est ce ça. Euh, c'est vrai c'est que ça. C est, c est, c est ça. En fait, c'est un peu se laisser porter aussi par les opportunités qui arrivent euh, et euh, sans forcément réfléchir, prendre et, et voir après, quoi. Et, euh, et petit à petit, après, on se rend compte de certaines choses. Ah, on aime bien faire ça, mais ça, on aime un peu moins. Et puis, ça se précise un petit peu mieux, quoi. Je pense que... C'est vrai que quand, quand j'ai commencé, euh, j'étais, euh, euh, je pense, euh, trop euh, immature dans ma façon de voir mon travail aussi. Euh, j'étais à, à 20 ans, t'as envie de tout faire, t'as envie de croquer partout, t'as envie de, de faire des lives, des vidéos YouTube, t'as envie de... De, en même temps euh, bosser pour l'animation et en même temps bosser pour euh, le milieu du YouTube, et, et en fait, on se rend compte qu'on peut pas tout faire. Il faut se... aussi arriver à se spécialiser et dans un truc qui nous fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir pour euh, pouvoir le faire euh, le plus longtemps possible. Et, euh, mais ce qui est cool avec notre métier, c'est qu'on peut toujours bifurquer, on peut toujours aller euh, butiner un peu euh, à droite à gauche dans certains domaines, euh, euh, que ce soit dans, dans la pub, dans l'animation, dans l'édition, l'illustration. Euh... C'est plutôt cool d'avoir ce choix-là. quoi bah ouais, non, c'est trop bien. C'est aussi des métiers qui permettent justement de se réinventer tous les deux ans. C'est trop cool, quoi. C'est pas un problème. Mais... bon écoute, c'est trop bien. Est-ce qu'on a des petites questions non, Pas encore. Je crois que moi, je suis juste en train d'écouter. Euh... <laughs> <laughs> ah tiens, on a Jérôme qui dit que Je t'accompagnerai dans ta future équipe. Ah ben bah, voilà. lui demande de. Ça, est, euh... ça, je pense que c'est Jérôme, c'est euh, un, un habitué des lives. Euh... Euh, sur, sur ma chaîne Twitch et, et d'Instagram. Donc, euh, bisous Jérôme. <laughs> je passe le, bien je bien te passe bien, le coucou. C'est vrai qu'on, dans un live, on parlait justement, c'est quand j'ai fait cette illustration-là euh, d'Uncharted, justement, euh, après avoir vu le film, euh, en fait, on, on est parti dans un délire. Et si euh, Uncharted était une série animée, quoi, euh, parce que je trouvais que ça pouvait rendre super bien avec un perso comme ça, j'avais envie de... D'un coup, euh, on s'est mis une, une motive avec les gens dans, dans le chat. Euh, ouais, qui c'est qui, qui est chaud pour bosser le scénar, qui c'est qui est chaud pour euh, bosser le, ah, les concept art, bien. les trucs et tout. Mais euh, c'était vraiment euh, utopique euh, de ouf de, de se dire qu'on allait partir sur une série animée comme ça. Et, et c'est vraiment, au final, euh, c'est pour ça aussi que je veux intégrer euh, le plus possible aujourd'hui l'animation, la, le milieu du cinéma d'animation. C'est que cette expérience-là et ces contacts-là pourront aussi me permettre à un moment donné de dire, bah, Ok, maintenant que j'ai emmagasiné tous ce, tout ces bagages et, et cette expérience-là, je peux lancer ma, ma propre aventure aussi et, et euh, être entouré des, 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 de bonnes personnes. Je crois qu'aujourd'hui, ouais, ce qui me manque le plus, c'est d'être être entouré de, de, de gens qui euh, déjà font à peu près la même chose que moi euh, ouais. et qui tirent vers le haut et, et où on bosse en équipe sur des projets. Euh, euh, moyen terme, où euh, vraiment on, on se déchire en équipe quoi euh, sur le truc. Et c'est vrai que le, le, le plus gros point euh, en ce moment, c'est le fait que je travaille euh, le côté créatif, je le travaille tout seul aujourd'hui. Euh, même si je bosse avec des, des clients, des, des éditions, des scénaristes, des choses comme ça. Le, la créa le, le côté créatif, c'est moi qui le gère. C'est pour ça que je fais l'ADA, etc. Je, je suis euh, vraiment tout seul dans mon coin, dans mon petit labo, à, à créer mes trucs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, je ressens vraiment le besoin ouais, de, de partager ce truc-là avec une équipe, euh, euh, partager des projets euh, du coup, qui dépassent juste euh, une personne, quoi. C'est vraiment euh, euh, quelque chose de, de, de plus gros qui peut, qui peut être fait en équipe. Donc, euh, donc voilà. bah ouais, Tu sais déjà comment tu peux t'y prendre, tu vois, pour euh, commencer à créer ces projets qui sont euh, plus grands que toi. Ou euh, tu te dis genre bon bah ça va arriver ou en faisant les bonnes choses ou euh... tu vois est-ce euh... que tu as déjà une vie en tête euh... J'ai aucune idée <laughs> de comment oui. ça peut se faire. En fait, je, me, je justement je me posais la question avec euh, j'ai des, des amis euh, bah, pareil de l'école à, à le CV. Il y en a qui aujourd'hui qui bossent chez Ubisoft, euh, euh, qui, euh, qui font les animations des persos en 3D. Euh, euh, j'ai des amis qui sont euh, développeur euh, chez euh, Asobo des, des choses comme ça. Donc, euh, en fait, euh, j'en je, parlais avec ces, ces personnes-là en leur disant mais un jour j'ai envie qu'on crée un truc ensemble parce qu'on est amis et en plus on a on est complémentaires Mais oh, euh, on se ouais. posait on se posait tous la question de on commence par quoi en fait Est-ce qu'on commence par le projet Donc on propose le projet et on a un financement ou est-ce que d'abord on commence par monter un studio et euh, on on bosse sur des projets qu'on nous propose et donc en fait on, on sait pas c'est comme le fou la poule quoi on, on sait pas qui ouais, va arriver ouais. en premier est-ce que euh, c'est le projet qui arrive en premier ou est-ce que c'est le studio qui arrive en premier euh, et je pense que voilà ça demande euh, tellement d'investissement euh, de créer euh, quelque chose comme ça que euh, je pense c'est il faut de l'expérience des contacts euh, du temps l'argent aussi l'argent rien on va pas se mentir faut faut, faut être financièrement euh, hyper stable pour créer ce genre de, de choses et euh, et voilà je pense que c'est un truc qui arrive vraiment euh, euh, avec beaucoup plus d'expérience et, euh, et c'est pour ça que ouais le, le si jamais je devais créer un studio d'animation ou même un studio de vidéo euh, ce serait vraiment en ayant eu déjà une expérience euh, très forte dans un milieu comme ça euh, et pas juste en freelance quoi parce que le freelance on apprend à se gérer soi-même à se gérer euh, à gérer les clients etc à gérer notre notre temps de travail. Donc c'est vraiment de l'auto-management, euh, euh, mmh. quoi, euh, euh, comparé à bosser avec une équipe qui n'a rien à voir, quoi. Donc, euh... Ah ouais, ouais carrément. Et puis Ça du coup, les, ouais, les enjeux sont pas les mêmes entre se planter soi-même sur un projet et planter son équipe, tu vois, on est à un autre, un 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 autre, autre niveau même... de stress aussi. Ouais, ouais, bah, J'ai l'impression que tu, tu réfléchis déjà vachement comme un entrepreneur, en fait, au lieu d'être juste un freelance. Ouais, mais euh, en fait, je... je... Je pense que euh, au fond de moi euh, j'ai toujours voulu créer des choses qui me dépassaient un petit peu mais forcément c'est la question de, 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 de tout le monde quand on veut créer quelque chose de, de plus important ben, on, on se demande comment on le fait euh, par quoi on va passer etc et ça c'est essentiel d'avoir euh, une expérience avec des gens qui ont plus d'expérience que toi qui vont te donner ouais. des, des conseils des justement des euh, des euh, voies à prendre. Choses comme ça. Et ça s'invente pas, euh, voilà on le fait pas tout seul comme ça, on se lance, sinon on va se, on va se planter. Et... Donc euh, oui, au, au fond de moi, je pense qu'il y a toujours eu, et c'est pour ça que je suis en freelance peut-être aujourd'hui, c'est que j'ai toujours eu ce côté, essayer de me vendre, essayer de vendre mon art tout en essayant d'être le plus créatif possible. Donc euh, c'est un peu ça, être indépendant aussi, c'est être à moitié euh, entrepreneur et à moitié créatif. quoi Parce qu'il faut gérer les, les factures, les clients, le voilà se vendre. Je pense que tu es en freelance toi aussi, du coup, Ah, moi, je suis en freelance totalement, et puis je serais incapable d'avoir un patron, tu vois. Ouais, voilà. Mais est-ce que tu serais capable, par exemple, de toi avoir ton propre studio, par exemple Bah, moi, j'ai déjà eu mon studio photo, et enfin, j'en suis à mon quatrième business, tu vois, donc j'ai vraiment ce truc-là aussi de de créer des choses tout le temps et je suis d'accord ça me parle beaucoup quand tu dis euh, de créer des choses qui sont plus grandes que soi parce que euh, c'est un peu ça, j'ai l'impression que je sais pas, qu'est-ce que vous ressentez dans le chat moi des fois j'ai l'impression que mes idées euh, bah, je veux plus les faire toutes seules et il y a un moment il va falloir euh, bah, s'entourer trouver les bonnes personnes, se faire soutenir et c'est cette, euh, cette marche que je trouve hyper dure à franchir en fait mmh, mmh. tu vois ouais, je suis d'accord, de... trouver, trouver les bonnes ouais. personnes euh, euh, bien, bien s'entourer c'est le plus important parce que après, on peut être, on peut être vite déçu. Euh, et euh, et c'est vrai que quand ça, quand ça touche plusieurs personnes, comme, euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, bah, ou toi, tu peux planter les autres, ou alors une personne peut te planter aussi euh, dans, dans ton business. Et c'est pour ça que des fois, c'est très dur de se dire Ok, donc là, je vais passer d'être tout seul à me gérer moi. Et si je fais une ah, erreur, c'est moi qui prends. À euh, bosser avec peut-être cinq personnes, imaginons. Et s'il y en a une qui. Est pas bien qui fait euh, mal les choses ou qui ouais. fait tomber le truc mais on prend tout ça on, on coule tous avec et là du coup c'est hyper dur de prendre sur soi et de se dire ok c'est pas grave euh, parce que ouais, du ouais. coup c'est on peut pas se, se, se juste euh, prendre la responsabilité euh, dessus euh, c'est très dur mais euh, ouais je pense que c'est une autre étape et il faut avoir euh, vraiment euh, beaucoup de, de bagages pour euh, supporter ce genre de genre de, de de business là entre guillemets surtout qu'il faut rester business et oui, en même vraiment. temps créa donc euh, ça c'est toujours le plus le plus dur oui c'est ça et puis euh, faire un peu tu vois euh, aller, aller pas vendre son âme tu vois parce qu'il y a toujours euh, le business personne qui va te dire oui mais il faut que tu fasses ça et es là genre non mais moi j'ai pas envie tout <laughs> <Donc, c 'est... rire> ouais tout à fait ouais, tout en étant aussi moi je trouve que le, le plus gros challenge c'est le lâcher prise justement de plus vouloir tout faire soi-même ouais euh, non, ça, ça, je suis d'accord. Et je pense que ça peut libérer aussi l'esprit et être beaucoup plus créatif quand on arrive à déléguer aussi et faire confiance. Euh... Je pense que même si c'est dur au début de partager euh, cette, cette créativité-là et, et partager ce qu'on a dans la tête et arriver à l'expliquer pour que euh, ton équipe arrive à faire la même chose et, et aller dans, dans ce sens-là. C'est pour ça, je pense qu'une expérience... Euh moi je cherche vraiment à, à, à vivre cette expérience-là euh, et je suis pas attaché ni au freelance ni au, justement au travail en entreprise. Euh, je pense que tant qu on fait ce qui nous plaît vraiment et que le projet est sympa, euh, justement c'est des, expéri des expériences à prendre des deux côtés parce que justement ben, il, y a, il, y a, il y a des avantages à prendre des, des deux plans, quoi de travailler tout seul, travailler en équipe, partager. Euh, euh, donc voilà, c'est vrai que ça aujourd'hui je le recherche vraiment parce que je pense, ça fait du bien aussi à la créativité d'entendre de, de, d'autres visions, de voir d'autres créatifs bosser avec toi. Mm -hmm. euh, ouais. ça euh, apprend beaucoup je pense. ouais j'aime bien, je te trouve super ambitieux en fait dans ta, dans ta manière d'aborder la création et ça me fait trop plaisir. Voilà. Eh ben, <laughs> merci beaucoup, ça me fait très plaisir d'être là aussi. <laughs> c'est vrai qu'on euh, reçoit beaucoup de créa, mais y a, tu vois, il y a souvent, on peut coincer par euh, la, la confiance en nous, le fait d'aller euh, juste déjà montrer son travail, c'est déjà une étape incroyable dans la création, tu vois. Et du coup, vouloir faire des choses plus grandes que soi, tu vois, ça, ça devient vraiment euh, bah, des étapes pas évidentes, quoi. Donc c'est hyper ouais. chouette que tu viennes parler de ça euh, en de vulnérabilité. Moi, ça me fait plaisir. Voilà. J'en suis ravie. <laughs> ravi. Est-ce qu'on rentrerait pas dans ton Photoshop Moi, j'adore papoter, tu vois. Ouais. Je pourrais faire des choses comme ça tout le ouais, temps. Ouais, moi, j'extrapole. Je... Euh, je je non, non, mais t'inquiète, c'est mes sessions préférées. Franck, alors j Allez, vous avez remarqué sur la chaîne, Franck il est plus technique. Si vous voulez tous les tips de l'univers, euh, ce sera Franck. Et euh, la créativité, euh, les rêves, l'inspiration, euh, ce sera moi. C'est pour ça qu'on est en bon complément. au final. <laughs> oui, pourtant pourtant, avec Franck, on n'a pas beaucoup parlé euh, technique. Euh... Oui, mais c'est un passionné aussi, tu vois. C'est euh... clair. Et, euh, ouais. Mais ouais, moi, je, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, donc je peux très vite partir dans des anecdotes, des trucs. Euh... Euh, et, euh, et jamais parler du processus créatif de, de ce genre d'illustration j'ai plusieurs euh, choses euh, avec moi, euh, plusieurs illustrations bah, que on, même on a pu voir sur Insta il euh, euh, y, bah, y a pas si longtemps, il y a quelques secondes euh, du coup, du coup, coup ben, on vote du public, tu vois on, on fait un vote du public pour savoir allez, euh, allez bah, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, ok euh, oui. donc Qu'est-ce qu'on va débunker, qu'est-ce qu'on va euh, décortiquer aujourd'hui On dire un animateur. Alors, les enfants, <laughs> qu'est-ce qu'on va décortiquer aujourd'hui <laughs> euh, oh oui, On a a parle de petite... Photoshop. <rire> <rire> ouais, page 36, la composition et les couleurs. Euh, donc, ouais, j'ai cette petite illustration. Donc euh, C'est des illustrations où j'ai tous les, tous les calques, euh, j'ai tout le, tout le process créatif là-dedans et je vais pouvoir euh, expliquer un petit peu mon... Mes, mes idées dans, dans ce que je fais. Euh, du coup, il bah, y a cette petite illustration euh, Uncharted. Il euh, y a celle-ci qui est un peu plus simple en termes de, de compos, en euh, mode fond, euh, fond uni, euh, euh, vraiment centré sur les persos. Déjà, ce que, que je fais beaucoup, moi, c'est des illustrations qui sont beaucoup avec des sujets de personnages. Donc, euh, les personnages sont souvent euh, au centre, euh, ou en tout cas, ça va être le sujet principal de, de, de l'illustration. quoi il euh, y a celle-ci du coup c'est l'illustration que j'avais fait pour euh, pour la vidéo avec euh, avec Balot on a créé un, un faux jeu vidéo euh, du coup ça serait le, le personnage de, de principal de notre jeu il y a celle-ci euh, qui était été faite euh, spécialement pour le live Adobe euh, de il y a euh, un an à l'époque voilà il oui, y a celle-ci qui a une ambiance euh, un peu nuit avec un un petit cat euh, donc, assez simple, efficace, des... ah ouais, assez graphique. Est sympa, est... ouais. Voilà. Et il y a celle-ci aussi, qui euh... est plutôt euh, paysage, avec une, une composition un peu. Là, dans la composition, c'est sympa d'en parler. Oui. Euh... Mais voilà. Du coup, il y a, y a ces euh, six choix. On peut en parler. Euh, les amis, euh, vous laisse choisir la, celle que vous préférez, comme ça, on en, on en parle. <laughs> Alors, tiens, il y a Ben qui nous dit Antoine doit sûrement avoir un Spider-Man dans ses tiroirs. Ah, moi, bon, écoute, j'en Sur... un Batman. <laughs> j'ai un Batman, mais j'ai mais... pas un Spider-Man. J'ai pas deux. J'ai pas trois. J'ai mille. J'en ai mille, c'est bon J'en ai mille, bon <laughs> mille de Spider-Man. Je, je, je sais pas où j'en ai stocké, mais j'en ai plein. Ai des... Mais après, du coup, c'est pas vraiment des illustrations en fait, de, de Spider que je fais. Souvent, c'est du Kara, quoi. Là, si. Ça, euh... quoi. Souvent, c'est du Kara, du, du posing. Ah, Ouais. Euh, bon là j'ai pas les calques sur, le, sur celui-là mais, euh, mais ouais j'ai pas mal de Spider-Man j'en fais plein des Spider-Man. c'est mon héros préféré parce que je trouve qu'il a, il a une façon de bouger qui est, qui est assez incroyable, on peut lui faire faire un peu n'importe quoi et, euh, et ça je trouve ça vraiment cool, pour du cara design c'est génial c'est vraiment génial c'est trop bien alors il voilà. y a Nico qui nous dit la première Nikki qui nous dit euh, Camille, Josiane Uncharted on a Alex qui nous dit Uncharted ah, on est à trois, Uncharted. Marc nous dit Uncharted. Ah, allez, c'est Marc. Ça va partir sur, sur du Uncharted. Allez. Alors, j'ai vu des petits messages du côté YouTube pour ceux qui veulent nous rejoindre du côté Business. Voilà, du coup, je suis un peu à la bourre, je ne les ai pas vus passer. Euh, Anto, bah, qui nous dit, voilà, c'est un pas de franchir, de se dire qu'on va manager une équipe. J'ai 24 ans et chef d'entreprise, il y a des choix à faire. Yes. Eh, c'est trop bien les jeunes, là, franchement. Ouais, 20, 24 ans chef d'entreprise, attention. Hein. En ouais. vrai, euh, grosse responsabilité. Et la marche inverse est compliquée aussi, je trouve. Les freelance, on va passé le palier de gérer une équipe et les autres aimeraient être en free. Oui, et puis après, je pense que un... tu sais, ça change selon le moment de la vie, tu vois. Parfois, c'est un peu plus compliqué d'être plus safe. C'est bon, ah bah, exactement tu vois, ce, que, ce que je ressentais là, dans, dans, dans ma remise en question ces dernières semaines. C'était le OK. Est-ce que j'aurais pas envie de, de, de mettre un petit peu plus de temps euh, dans mon envie de créer et dans justement oui. développer une, une spécialisation. Tu vois, par exemple, moi j'aime vraiment le, le, la création de personnages. C'est vraiment le truc spécialisé euh, dans lequel je suis. Euh, euh, et je me dis, bah, ça me ferait du bien de, pour une fois, arrêter de, de voir euh, de, de, de tout faire en fait et juste me spécialiser là-dedans, être, tu vois, à un poste, euh, bosser avec une équipe et les gens qui, qui bossent avec moi, ils savent que moi je fais ça. Euh, je le fais bien je le fais le mieux possible et ouais. du coup sécurisé tu vois dans dans, dans un studio tu sais que euh, t'es pas t'as pas besoin, as pas besoin de, de de penser tout le temps à, à ta survie entre guillemets parce que même euh, même ouais. si ton freelance il marche bien et que ta ton entreprise personnelle marche bien t'as toujours ce petit sentiment de et si tu vois le petit what if tu vois je ouais. de... de... sais pas si ça tu le ressens encore mais c'est vrai que moi je j'ai quand même euh pas fait ça pendant beaucoup de temps non plus, ça fait ça quatre fait ans et demi, cinq ans. Comme je reste assez jeune, tu vois, j'ai toujours ce truc-là de me dire, même si je sais que ça arrivera pas, mais le... Et si, euh, tu vois, l'année prochaine, j'ai moins de projets ou j'ai moins de trucs et tout, donc euh, et puis répondre euh, euh, aux mails, etc. Penser tout le temps, en fait, même quand tu es en vacances, te dire, ah là, je suis en vacances, et je devrais peut-être bosser quand même, parce que... Euh, euh, tu vois, il faut euh, alimenter le truc, alimenter Instagram, YouTube. Donc, tout ça, 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 met, euh, ça met de la pression et ça, ça met de, de, de l'insécurité, forcément. Bah Donc, ouais, ça, c'est euh... clair. L'équilibre. Si quelqu'un a trouvé l'équilibre, le... envoyez-moi un message, je suis curieuse. Voilà. <laughs> le, le balance. Ouais, ouais. si vous avez trouvé le secret, je crois que c'est une danse, tu vois, c'est pas un truc. Euh... C'est ouais, pas un équilibre figé, je... tu vois? C'est un va-et-vient, c'est un, un va-et-vient. Ouais. Un, va un jour, c est c est un un équilibre, c'est sur un pied et l'autre. Euh... Tu vois, j'imagine ça comme une planche sur une boule, tu vois? Tu peux pas euh, rester fixe. En ouais, ouais c'est vrai. D'accord, c'est une belle métaphore. Je dis voilà. oui. <rire> <rire> Alors, du coup, est-ce que. Euh... Alors, par contre, on va commencer là-dessus. Euh, déjà, je pense que j'ai même plus le, le crowbar, mais c'est pas grave, je vais au moins. Euh... Montrer Alors, ça attaque direct de... dans les commentaires. Niki qui dit Ça fait peur, tous ces calques pas nommés. <rire> <rire> ah, ben ça, c'est quand, quand j'en vois pas au client et que c'est pour moi. Par contre, quand j'en vois au client, il y... y a des couleurs, il y a des trucs et tout, mais là, c'est des illustrations ah ouais. pour moi. Et moi-même, je m'y retrouve. Hein. Euh, là, par exemple, je viens de faire un groupe, je sais que c'est le... le background, tu vois. Je sais que juste en dessous, ça, c'est le perso. Euh... Et en plus, il y a moyen que, comme je l'ai euh... euh... pris d'une autre. Euh... Euh, j'ai pris les calques d'une autre euh, application de dessin il euh, y a moyen du coup que euh, j'ai nommé dans notre application et pas dans, pas dans celle-là ah ouais excellent. en tout cas euh, on va commencer juste par tac montrer un petit peu ce que j'ai fait avec le avec le perso hop et c'est ça ah. et... En fait, moi, quand je suis parti là-dessus, je me suis dit, euh, ben, bah, déjà, Uncharted, c'est euh, le truc dynamique, action, etc. Je voulais pas faire une illustration, par exemple, comme celle-ci, qui est un peu plus mystérieuse, euh, posée, euh, plutôt détective, etc. Là, je voulais vraiment euh, de l'action et donc une, une composition qui est, euh, qui est vraiment euh, forte. Euh, donc, déjà, ce que je me suis dit, bon, en général, euh, maintenant, je construis plus vraiment en me disant. Euh, euh, ben là, par exemple, euh, je ne sais pas, ligne, ligne des tiers, etc. Je sais que, euh, à peu près, comme ça, c'est vraiment à peu près, hein, mais euh, je sais que la tête va se va terminer à peu près sur, sur ce point de croisement de la ligne des tiers, okay. et, puis, ouais. euh, et puis voilà, avec les jambes, pareil, le, le flingue qui va, qui va être ici. Donc, euh, tout se passe à peu près sur euh, cette ligne-là, et après, ben, ah, euh, ouais, le euh, reste qui ouais, suit. quoi. Bon. Donc okay. en fait, il y a une vraie euh, dynamique euh, euh, comme ça déjà. Forcément, ben il y, y a énormément de de, de perspectives. Ouais, euh, c'est hyper. Euh, la composition, elle est vachement travaillée. Hein. Ben, en fait, ouais, c'est euh, c'est vraiment une composition. Après, c'est des compositions que j'aime bien faire parce que ça marche de suite avec des raccourcis et tout ça. Et le le, le but aussi qu'il soit dans cette position c'est que ça en augmente encore plus la, la, le dynamisme de cette compo où on tombe, on plonge en fait. Donc ce plongeon il, il est ressenti par, euh, par du coup cette, cette perspective là que je vais refaire rapidement. Et euh, voilà c'est un peu comme ça. C'est une perspective, je pense une perspective à trois points là, à ce niveau-là. Euh, mais pareil, encore une fois, n'ai pas fait la perce. J'ai juste visualisé au mieux. Mmh. Et, euh, et donc là en fait on voit que ça ça plonge et que l'objectif est euh, un peu euh, il y a une aberration euh, d'objectif quoi ah, il ouais, est, un ouais, peu, est un déformé ouais. quoi. Et, euh, et donc ça c'est euh, carrément euh, euh, augmenté par le fait que on est un raccourci et que là ici la jambe si je fais juste un un cylindre mais la jambe elle est hyper euh, en perspective aussi quoi et celle-ci aussi Bien. Et donc ça, en fait, ça augmente de ouf euh, le fait que ben, on, on soit vraiment au-dessus et que lui est en train de tomber. Euh... Parce qu'au début, j'étais parti dans une composition euh, où euh, ben, il était plutôt plat, euh, était, euh, les jambes n'étaient pas devant lui, etc. Alors que là, ça cale vraiment des plans. Et c'est pour ça, euh, du coup, le déjà le premier tip ce que je peux donner quand on part sur une illustration comme ça, c'est d'avoir des, des plans bien définis. Donc, euh, ben, premier plan avec la avec la chaussure ensuite avec la jambe c'est pareil c'est un peu premier de second plan <laughs> ici pareil euh, on va dire troisième plan là le corps le corps c'est au plan, quatrième ouais. plan encore et la tête est encore derrière du coup ouais. ça crée vraiment des séparations euh, de lecture et donc ça nous fait euh, ça nous fait plonger petit à petit avec bien évidemment le, le, le décor derrière euh. et voilà donc ça c'était vraiment pour la composition euh, euh, sur laquelle j'étais suis, suis parti, sur celle-là. Euh, et après, ben, tout, euh, tout va se jouer dans les, dans les couleurs aussi. Euh, là, déjà, j'essaye de partir en général, avant de partir sur le personnage, j'essaie de partir sur le, sur le background euh, pour, euh, pour avoir directement en fait une, une ambiance colorée et une ambiance lumineuse pour savoir comment va, se, euh, va réagir le personnage à cette lumière-là. Euh, parce que si je pars direct sur la lumière euh, sur le personnage, je vais pas avoir une vision globale de l'image au lieu euh, du coup bah, d'avoir euh, cette vision un peu plus euh, euh, grande de, 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 de l'image. Donc euh, voilà, je pars, sur le, je pars sur le background et je pense que je vais enlever un petit peu tous les, tous les calques et, euh, et vous montrer par où je suis passé. Quoi. Oui au fur et à mesure, clairement. Au fur et à mesure. Donc je vais vraiment... Là du coup c'était un fond un peu haut. Euh... Euh, un peu océan mais avec euh, quelques petits îlots etc comme on voit dans le, comme on voit dans le film d'ailleurs dans la bande annonce euh, ouais. et euh, donc bien évidemment moi ce que je fais en général je me fais un gros mood board donc euh, mood board avec des îles etc euh, je sais pas si y en a qui voient ouais, ce que c'est un moodboard board mais j'imagine je pense qu'il doit y avoir pas mal de créatifs euh, dans, Alors, le, dans le chat si le chat ne sait pas ce que c'est un mood board <laughs> Parce on, peut, on peut réexpliquer le, le, la base hein. moi ça me dérange pas mais bah, je pense on... que normalement c'est bon normalement on est pas mal voilà une grosse planche de référence quoi qui nous voilà. permet d'avancer sans euh, être dans l'impro et du coup se terminer avec euh, quelque chose qui est pas vraiment cohérent en termes de lumière en termes de, de reflets dans l'eau etc ou quoi que ce soit de couleurs donc voilà je me fais un gros moodboard sur ce, ce genre de ce genre de paysage à chaque live les, les références c'est pas mal c'est pas copier, c'est juste avoir des références pour faire des trucs. Oui, oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, ça, il faut le dire aussi de ouf. Euh, mm. C'est vrai que c'est pas, pas plagié. Souvent, en plus, moi, j'ai des références euh, photographiques plutôt que ouais. d'avoir des références illustratives. Ça me permet euh, de me Vraiment. plonger Vraiment. un petit Vraiment. peu plus dans, ouais, dans la stylisation euh, à ma sauce euh, plutôt que si on se cale sur un, quelque chose qui est déjà illustré. Déjà euh, designé d'une façon un petit peu plus euh, voilà illustrative, on va on va forcément être influencé par déjà ce style-là de, de couleur ou de ou de forme ouais. et, euh, et voilà donc là pareil ce que je voulais faire absolument aussi c'était euh, alors du coup je pense que je suis parti d'abord là-dessus voilà euh, c'était avoir vraiment ce côté comme il est haut euh, sentir le, le côté sphère un petit peu de, de la planète enfin euh, de la planète de ou de, de, de du sol quoi et donc, on, ouais. on retrouve un petit peu dans, dans l'orientation de, de, du sol euh, ce côté un peu courbé, et ça, ouais, du ça coup, je voulais absolument l'avoir. Dès le background, bam, tu mets du volume, quoi. Ouais, 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 exactement. Et ça, en fait, ça, ça se ressentait plutôt voilà, avec l'ombre. Donc, là, c'est un peu en fait, je voulais le faire assez rapidement et efficacement parce que j'allais le flouter en fait après. Euh, et d'ailleurs, je sais même pas, je pense que. Et euh, je pense qu'il est même pas flouté en fait je pense que comme le perso il passe par-dessus ben je me suis pas occupé d'avoir euh, trop de détails euh, en tout cas euh, voilà je pose en fait ce que je fais je pose vraiment des couleurs de base ça c'est le une fois qu'on a le, le croquis etc on pose nos, nos couleurs euh, vraiment de base avec quelques nuances à l'intérieur euh, d'ailleurs je peux, je peux parler aussi des broches que j'utilise j'en utilise, que utilise ouais, deux, ouais. Euh, deux très, euh, très souvent et c'est euh, les brushes de Kyle, du coup. Kyle, ah bah Kyle le, le meilleur. Le, le fameux. Le fameux. Le... D'ailleurs, il le... y a un live demain avec euh, Kyle. En ah français. mais euh, vous pourrez lui passer le, le bisou de l'hostie. Ah, bah, <laughs> il va se dire mais c'est qui, du... qui, qui ouais, ce ouais. gars <rire> <rire> le, le big up. Et, euh, et donc ouais, non, du coup j'ai deux brushes. Donc une qui me sert plutôt à faire des à remplir des aplats. Donc je vais, je vais vous montrer là vite fait. Avec des, un peu de texture comme ça. Donc, ça me permet de faire des, des, petits, euh, des petits dégradés un petit peu doux. Euh, hop Et de suite, ça met un peu de grain. Au lieu justement que je mette du grain après euh, sur plutôt la, la, la poste, euh, tu vois, l'étalonnage le, le, ouais. ou les choses comme ça. Euh, donc, ça, ça me permet voilà, de mettre quelques nuances dans mon vert. Au lieu de mettre juste, euh, je me dis, ben, l'îlot, il est vert, mais je vais le mettre tout vert. Donc, ça, du ouais, coup, ouais, ouais. Euh, en général, ça aplatit. Même quand on met de l'ombre après, ça aplatit un petit peu le, le visuel. Donc ce que je fais, c'est que direct, je dirais je euh, mets quelques nuances de couleurs. Et, euh, et d'ailleurs, tu vas voir, c'est exactement la même méthode pour euh, que j'utilise pour les personnages, pour euh, d'autres illustrations et tout ça. J'utilise tout le temps cette méthode. Je passe d'abord par le croquis, ensuite par les couleurs de base, un peu comme on bosse de la 3D. Je ne sais pas s'il y en a qui font de la 3D dans, dans le chat euh, et qui font des rendus. Mais dans les rendus 3D, souvent, il y a le rendu justement un peu flat des textures, du texturing de, ouais. du personnage ou quoi que ce soit. Euh, et après, par-dessus, il va y avoir l'ambient occlusion, euh, il va y avoir euh, euh, bah, tous les termes que, que vous connaissez dans la 3D, euh, les ombres, Bref, etc., oui. les lumières. Donc, ils vont passer par-dessus ce, cette base-là de, de couleurs. Mais si cette base, elle n'est pas un peu naturelle, variée, euh, euh, diverse, bah, du coup, on, on s'ennuie. Ça s'ennuie un petit peu à l'œil, tu vois. Bref. Euh, une fois que c'est dit, <laughs> voilà, là, on passe... Euh, on passe comme ça avec euh, plein de, de petites nuances de couleurs. Ben, je prends du vert, je prends du vert un peu plus clair, du vert un peu plus euh, foncé. Je pars un petit peu dans les jaunes aussi. Euh, euh, tout dépend du, de l'effet que vous voulez rendre. Et puis derrière, après, je viens caler un petit calque en, en produit. Ça, c'est l'étape euh, assez, euh, assez importante. La petite étape calque en produit. Euh, donc en anglais, c'est multiply pour ceux qu'on le. pour les américains. Euh, pour ceux qui sont bilingues bah, ils et qui sont, gros, sont en le a... LV2, là, ouais, <laughs> ici, là. Le, le petit cac en multiply, et après ça fait, le, ça fait le taf. Et pareil, euh, et c'est un truc que je faisais pas il euh, y a quelques temps et que je me suis mis à faire parce que bah, ça mettait vachement de nuances dans l'ombre dans en fait. Mais euh, je sais pas si vous voyez, si je le mets comme ça, il y a en Mais... fait des nuances de bleu plus clair et de, euh, et de rougeâtre un petit peu. Euh, donc là, si je, si je bloque mon calque, je peux en fait euh, donner... Je vais le remettre à 100% juste pour que vous, vous voyez. Je peux donner en fait plus de, euh, de nuances à mes ombres. En mettant, par exemple, un petit peu plus d'ombre bleutée à ce niveau-là, ou bleu vert, quoi. Comme s'il y avait une sorte de reflet de l'eau euh, qui allait donner un petit peu plus de bleu dans l'ombre. Et par contre après, euh, un reflet un petit peu plus jaune-orangé pour montrer que bah, c'est le soleil qui tape un petit peu dans l'ombre plutôt. Donc quand ouais, c'est ouais. à l'extrémité au niveau de, de la lumière, là on peut aller mettre un petit peu plus de rouge-orangé pour dire ok là il euh, y, a, y a un vrai reflet de la lumière, un, une sorte de bounce tu vois, de, de la lumière qui, qui repart dans l'ombre. Et là de suite ça, ça donne en fait euh, euh, bah, un peu de nuance dans l'ombre et ça ne fait pas une ombre tout plate parce que là si j'avais mis juste du, du bleu par exemple, euh, là de suite ça fait plat et, euh, et un peu... Euh, pas Sale, mais euh, ça, ça se blinde pas assez avec l'environnement, le, quoi. Oui, ouais, ça va casser un voilà. peu l'image. Ok, du Donc coup, ça, toi, tu penses, que, tu penses qu'il faut, euh, faut être attentif aux détails, quoi. Euh, oui, ouais, ouais, clairement, je pense qu'il faut être attentif au, à la cohérence aussi de la couleur et des lumières. Euh, et ça, après, c'est quand on connaît ses volumes aussi en 3D, parce il faut toujours voir une image en 3D, même si on fait de la 2D. Euh, si on connaît ces volumes en 3D, on sait ce qui va refléter sur quoi. On sait quelle, euh, quelle ombre va taper sur, euh, sur quel euh, volume. Et ça, ça va donner énormément de volume à, à l'image, forcément. Et, euh, et voilà. Du coup, euh, ça, le mode produit, euh, il est trop bien pour, pour faire des ombres. Après, des fois, je fais des ombres aussi en, en mode euh, lumière crue. Ça marche aussi. Euh, euh, lumière tamisée, pardon. Là, du coup, ça ne va pas marcher parce que c'est pas la bonne ombre. Lumière tamisée, c'est plus à utiliser avec, euh, avec du noir. Par exemple, là, les, tu... les, modes, euh, les modes de fusion, euh, on a dit, euh, on les essaye tous parce que euh, on se rappelle jamais lequel marche. C'est pas, pas ça. Euh, ben, Figure-toi que moi, je, a, maintenant, je quoi, les connais ouais. vraiment euh, tous euh, presque par... Ça fait, je sais ouais. pas, je pense que ça va faire 8-9 ans que j'utilise Photoshop. Ouais. 15 ans après, ça y est c'est bon, je les connais. <rire> <rire> non, mais en plus, tu il sais, y, y a un peu la méthode habituelle qui rentre... Euh... Voilà, là, la méthode que je montre... Euh, c'est la mienne et ça se trouve, ce ne sera pas celle de quelqu'un d'autre ouais. parce qu'il faut vraiment être à l'aise avec ça. Il faut vraiment être à ah, l'aise avec ça, son ouais. workflow. Quoi. Pas de recette, euh... mais euh, avoir les tips et la manière dont toi tu le fais, c'est hyper intéressant. Et eh bien, ça fait plaisir. Au top. Euh, par exemple, ben là, je me mets en lumière tamisée, je me mets en noir. Je suis obligé de me mettre en noir pour que ce soit assez, euh, assez puissant. Et là, je peux aller euh, créer mon ombre. Hop. Et ça va s'adapter en encore une fois comme le. Comme le mode produit ça va un peu s'adapter avec euh, avec la, la couleur de fond voilà mais ça c'est quelque chose qui est assez euh, puissant aussi comme ombre Je le baisser comme ça et, euh, et ça, ça s'adapte bien avec les la, la couleur du dessous euh, euh, en vrai c'est c'est plutôt pas mal comme euh, comme mode euh, voilà par contre ça s'adapte pas aux couleurs qui sont très très claires genre par exemple le blanc ou le beige euh, là on verra pas c'est pour ça que j'utilise plutôt, euh, plutôt le, le mode produit voilà. Donc là, une fois que j'ai calé ça, déjà, ça, ça donne un petit peu de volume. Euh, donc, faites pas attention parce que là, c'est cracra juste parce que j'ai mis le... J'ai le personnage qui est par-dessus. Donc, euh, on s'en rend pas compte. Euh, hop. Euh, du coup, je vais enlever le, le perso. Une fois que j'ai fait ça, après, euh, bah, c'est vraiment du, du détail petit à petit. Euh, là, je vais aller mettre un petit peu de détail autour des... Euh, euh, de la shape des, euh, des îlots parce que bah, c'est l'eau qui... Bien dessus mais encore une fois comme c'est le background euh, faut bien comprendre le sujet qu'on a dans l'illustration euh, moi je me dis mais ben, mon sujet ça va être mon personnage donc le background il va être justement en arrière-plan il va pas être détaillé à la à la perfection parce que justement sinon euh, ça va trop attirer l'œil par rapport aux au détails du personnage et on va ouais. euh, euh, voilà même le, le line art tu vois il y avait, il va y avoir peut-être plus de, de line art au niveau du personnage plutôt que dans le fond ça va être vraiment un peu plus flou entre guillemets, que sinon euh, on se perd dans la lecture et la lecture elle est un, importante dans l'illustration. Ouais, Donc va se voilà. Là. Ok. Euh, hop, du coup petit petit détail là rapide mais encore une fois voilà euh, sans euh, trop de pression. Euh, là j'ai remis un petit peu d'ombre euh, à ce niveau là pour faire ressortir le perso là à l'époque je me rappelle c'était pour ça. Euh, et là l'étape que j'adore. Ah, <laughs> voyez alors, la différence. <laughs> L'étape que j'adore, c'est vraiment lumière et, et un peu plus d'ombre aussi. Euh, ça, c'est le petit mode lumière crue. Alors, oui. ça, les amis, le lumière crue, euh, ça, c'est mon, mon petit péché mignon. Euh, c'est un peu comme, comme Rose Draw. Je ne sais pas si vous connaissez Rose Draw. Euh, lui, c'est un peu le densité euh, couleur plus ou je ne sais, je sais plus quoi. <laughs> euh, Rose Draw, lui, il, il envoie de ouf des lumières à fond. C'est presque néon. quoi. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent dans le chat. Je suis sûr qu'il y en a qui connaissent. Euh, ben moi c'est lumière crue tu vois. lumière crue je trouve que euh, ben, si tu viens voilà tu te dis ben, mon soleil il va partir là je vais vous faire une petite démonstration euh, hop ma lumière elle vient d'en haut à gauche avec mon soleil un peu rasant là hop je me prends une brush un peu douce je me prends du orange un peu un peu saturé vu <laughs> comme un comme un bon gros soleil et après, je viens pas euh, comme ça, et ça Hop. fait direct le travail quoi. Ça s'adapte. Le magic euh... moment quoi. De quoi Le magic moment. Tu sais, le la magic moment la quoi. C'est vraiment euh, là, je, je viens euh, placer ça comme ça. Je peux même euh, placer un petit peu plus, euh, euh, un petit peu plus détaillé euh, la lumière euh, sur, euh, sur des coins de. Ouais, les arêtes, les trucs. Voilà. Ça. Et ça pareil, tu vois comme, comme je disais tout à l'heure dans, dans l'ombre. Et du coup, je peux venir aller mettre euh, un peu de, de rougeâtre euh, au bord de, de, de l'ombre, comme ça. Ah ça ouais? vient créer ouais. encore plus de. Et ça, en. Comment ça en, en, s'appelle? En 3D? Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Quand la lumière passe à, à travers euh, un, une matière. Et ah c oui, c'est vrai. Sûr, je je, je suis sûre qu'il qui. Genre, euh, par exemple, tu as les, les oreilles non, derrière. Les oreilles, voilà. Derrière la transparence, c'était le... là-dessus d'ailleurs qui galère en 3D. C le, sub, subsurface catering, c ah, le subsurface catering, <laughs> c'est ça. Allez, le subsurface scattering. c'est bon, je l'ai. <laughs> J'espère que j'ai été le premier parce que dans le chat il y en a qui m'ont doublé, je suis sûr. <laughs> non, il bah, y a 30 secondes de décalage, donc il ah, y a 30, 30 secondes de ça. délai. Ok, ça marche. Voilà. <laughs> allez, Alexandre, il, il a vu, il a, il a regardé, j'ai vu, il a regardé dans le. Sur internet, il a triché. <laughs> ah ouais. Ok, ben voilà, du coup, ça, ça marche euh, avec la lumière, mais ça marche aussi avec les ombres. Euh, tu peux aller, euh, bah, si tu veux quelque chose d'un peu plus bleuté dans le fond euh, de ton image, euh, ça peut vraiment aller donner un peu plus de, 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 de force. Donc là, par exemple, hop, je vais aller mettre un petit peu plus de bleu au fond, comme ça. Euh, et ça vient euh, encore plus euh, bah, euh, accentuer l'ombre, euh, enfin le, la lumière qu'on a. Donc là, tu vois la différence. Et c'est pareil, encore une fois, ça vient euh, créer un, une sphère un petit peu. Parce que tu as la lumière qui vient ici. Ouais. Et par contre, tu as un petit peu plus d'ombre ici. Donc, euh, ça crée vraiment euh, euh, un volume. Quoi. Euh... Ouais, ouais, mais le plus du tout plate et ça, ça a pris deux secondes. En fait, faut vraiment, j'ai l'impression de comprendre les étapes. Tu vois, il n'y a, a pas une recette magique. Et en même temps, il faut pas vouloir tout faire d'un coup, j'ai l'impression. Il ne faut pas tout faire sur un même calque. Euh... Ah non, bah, bah, après encore une fois euh, tu, tu vois. Veux, là... Tu la soupe quoi. Mais euh, moi ça c'est une méthode que j'aime bien parce que du coup je me rate peu euh, parce que je sais très bien les étapes que, que j'ai mais ça c'est les étapes encore une fois que je me suis faites euh, parce que euh, parce que j'aimais bien travailler comme ça en mode euh, vraiment étape par étape euh, première couche de couleur vraiment de base euh, ensuite ombre lumière. Ensuite, les, la petite rim light et les détails qui viennent après, en fait. Mais il euh, y en a qui sont très, très forts. Euh, et dans le concept art, euh, tu verras des, des, des gars qui vont utiliser deux, trois calques. Et après, hop, un, un petit dernier calque en mode de fusion. Et les mecs, ils ont un truc euh, incroyable parce qu'ils ont plus un, un aspect, euh, ils voient plus ça comme de la peinture, plus que comme ouais. euh, euh, ben, des calques qui viennent euh, au-dessus. C'est vrai. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, avant d'être de, de, sur Photoshop, je faisais un peu de peinture aussi. Je faisais des portraits, des choses comme ça. Et ça m'a vachement aidé à comprendre en fait la, la couleur, les, les calques, les couches, les choses qui se mettent les, les unes au-dessus des autres. Et, euh, et voilà, du coup, c'est vrai que quand tu arrives à bosser par étapes, euh, ça te fait gagner un, un temps fou parce que tu sais très bien que là, tu peux enlever ta lumière, tu peux venir retaper un petit peu tes, ta base de... Tu changes l'ambiance en fait. Totalement. Tu vois, le studio, en fait, c'est la nuit, tu vois. Ah voilà ouais, totalement c'est vrai que là par exemple si je me mets en, en mode euh, je me remets un produit je me prends du bleu un peu euh, un peu saturé aussi rempli euh, là on est on est on est dans la nuit quoi Bah ouais carrément, je baisse un ouais. peu tu vois je baisse un peu l'opacité et puis euh, ouais. et puis après tu peux retravailler pareil encore une fois si tu veux faire ça euh, tu mets pas juste un calque de bleu tout, tout net tu mets un petit peu de de, de nuances, donc là par exemple, euh, imaginons il y aurait euh, un peu de nuances de la lune, quoi, donc un, un bleu un peu plus clair, et donc là de suite ça vient te créer euh, bah, jour-nuit, quoi, bah, ouais, jour nuit ouais, nuit, <laughs> <laughs> hop, voilà, donc ça c'est euh, les modes de calque quand même qui sont euh, assez euh, cool à utiliser, euh, surtout pour la lumière et les ombres, quoi. Et là après, ben j'ai fait ma petite tambouille avec mes, mes nuages, là les nuages aussi. Euh, pareil c'est ce que j'adore faire aussi quand, quand on a un côté euh, où on tombe, où on a un truc très dynamique où on veut que le, le regard soit fixé sur, sur un sujet il euh, y, euh, y a ce système de nuages un peu en, en spirale que j'aime bien utiliser euh, donc là par exemple en fait on voit que tu vois as des nuages un peu comme ça ouais et ça en fait ça fait que tu vois, si, si la tête de ton perso est là et tes yeux ils sont ils sont plongés là-dessus tu vois c'est euh, assez clair ouais tu vois le, le ouais. la, dans la composition c'est assez um, important tu vois ben, là le, le regard il est vraiment euh, guidé par les nuages en fait et petit ah, à petit ouais. ça se resserre sur la, sur la tête ça c'est euh, une technique que j'aime bien utiliser alors en plus quand tu vois les euh, quand t'as les les euh, comment s'appelle les balles qui euh, qui fusent en plus, en plus ici plus et eh ben ça vient encore plus te donner une information de, de regard tu vois donc c'est là c'est l'abus hein. là c'est l'abus de ouf euh, tu vois ça crée encore plus de ok ben là faut vraiment regarder là là, là le visage du personnage euh, il faut le mettre euh, ici quoi donc ça c'est vraiment des, des tips types de compos, quoi la composition comme ça euh, ça, ça aide euh, vraiment à la lecture d'une image donc voilà petit à petit euh, on, a, on a notre on a notre fond quoi donc au final, avec quelques étapes, euh, pas, pas grand chose quoi. Euh, on a euh, voilà en quelques calques un fond qui, qui fait le travail et sans forcément y passer trop de temps parce que notre sujet principal ça reste ce, ce bonhomme là. Donc euh, donc voilà. Et là du coup en fait si tu remarques en fait j'ai fait exactement la même chose, le même process, le même la même méthode sur le personnage. Ça marche exactement pareil. Euh, donc tu attaques avec, petites... de de attaque avec des blobs de couleur de ah, quoi voilà. tu avec des blobs voilà. de couleur du coup ouais, je, fais un, je fais un masque comme ça donc un masque euh, en gros j'ai mon euh, mon croquis en dessous enfin euh, au dessus pardon et donc je remplis tout, euh, tout mon perso d'une couleur, ça peut être n'importe quelle couleur mais en général j'aime bien faire la couleur de peau parce que ben, c'est la couleur qui est le plus en dessous et après tu mets les vêtements par dessus et donc tu mets par couche ah euh... oh ouais il y a toujours une couche de quoi il y a toujours une logique, en fait, tu vois, c'est hyper Ouais, c'est ça, si tu arrives à capter tout ce qu'il y a en dessous et ce qu'il y a au-dessus, ben, tu peux euh, voilà, monter les, les échelles petit à petit, et, euh, et tu ne te perds pas dans tes calques, et c'est pour ça qu'on euh, parlait de renommer les calques, etc. Euh, moi, au final, je n'ai même plus besoin de faire ça, parce que je sais très bien que ce qui est en dessous, c'est ce qui est vraiment en dessous, euh, mmh. donc ben, le, le, le background, etc. Et petit à petit, quand tu montes euh, au niveau des calques, euh, tu sais que petit à petit c'est les choses qui se mettent euh, au dessus quoi voilà euh, donc là bah, j'ai fait exactement pareil que euh, que le background en fait euh, donc petite couleur de couleur de base de peau là je mets un peu de nuance sur les joues, les oreilles le nez euh, ça donne euh, un peu de vie euh, au, au corps humain à la peau euh, parce que bah, encore une fois hein, c'est exactement ce que je disais par rapport aux îlots etc si tu as une peau qui est toute plate euh, sans nuances de couleurs, forcément ça va ça va être moins euh, intéressant pour les yeux et pareil pour les coudes les extrémités en fait de, de, des persos. c'est ça marche bien de faire ça euh, et là on a le perso en fait on a tous ces détails sur, sur ce calque là je pense que là je les merge je pense que je l'ai fusionné avec euh, avec un truc mais euh, normalement j'aurais eu l'étape tu vois un peu euh, d'abord de mettre la plat euh, du t-shirt la plat du du pantalon etc donc tu marches par à plat, encore une fois ouais, bah ouais, carrément. et petit à petit tu viens découper quoi t'es t'es comme un sculpteur tu vois euh, donc là on a on a le perso avec pas mal de détails déjà euh, un peu de line art mais du line art un peu adapté à la couleur de, de qui est en dessous et, euh, et par contre on n'a pas de volume quoi on n'a pas d'ombre on a on a juste du line art et des informations de couleur un peu des informations de plis, de, de, de draper, tout ça. Mais là, ouais. la, la phase euh, couleur-lumière, elle n'est pas encore euh, arrivée. C'est comme euh, avec les, les petits îlots de, du background. Et, euh, et donc, une fois qu'on a ça, qu'on a bien calé toutes les couleurs euh, de, de notre perso et qu'on est content avec ça, ben là, on peut passer à la lumière ah, et à l'ombre. Cool. C'est tellement, tellement chouette. C'est l'étape qui donne vraiment la vie, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et euh, après, c'est encore la, la lumière, tu vois, le, le côté lumière crue après le, ce, ouais. ce truc-là. Je suis trop fan parce que c'est là où, bam, t'as le, le perso qui ressort de, et qui est adapté avec le, le background. Donc forcément, par exemple, aussi, euh, ça me fait penser à un truc. Si votre background, euh, ben, il est euh, un peu euh, chaud, chaleureux, ou alors que ben, votre ombre, vous avez plutôt choisi du bleu et un peu orangé dedans... Il faut utiliser la même chose pour le personnage parce que sinon le personnage il va pas se bien se blender, se mixer avec le avec le, le background. Donc là par exemple si je change la couleur du de mon personnage, fin de l'ombre de mon personnage, ça va le détacher de du background genre Tout vert comme ça par exemple ça marche ça marche ah ouais, bien. Oui on, on dirait qu'il y a une soucoupe volante au-dessus de lui tu vois. Exactement ça crée une, une autre lumière, un, une autre vibe et là du coup ça raconte une autre histoire ouais, ça, euh, totalement. Euh, après par contre ça vous permet de rechercher si vous avez pas trop d'idées de quelle euh, couleur utiliser pour l'ombre, vous calez une couleur et puis après vous vous baladez dans les teintes comme ça euh, mmh. pour voir si ça marche ou pas moi j'ai préféré partir sur une teinte du coup un peu plus bleutée euh, qui rappelait un peu l'ombre des euh, euh, de ce qu'il y a en dessous un petit peu bleu euh, bleu violacé en fait euh, ouais. parce qu'après à l'intérieur je peux recouper dedans avec euh, un peu de, de orange pour les pour les lumières et tout ça euh, hop je vais rajouter ça aussi parce que ça je l'ai fait séparément sur un autre calque ça, je savais ce qu'il y avait en dessous euh, et donc là voilà on ce que j'ai fait on est déjà presque à la fin on va déborder un petit peu tu vois mais ok, euh, ça okay ouais ça, pa ça passe vite bon bah, du coup on aura fait on aura fait euh, un on... des corticages d'illustration de, de, ouais, de toute façon après toutes les venir, hein, toutes tu vois. les autres après c'est euh, à peu près la, la même méthode en tout cas j'espère que ça c'est dans le chat euh, vous c'est hyper ça cool. Ça vous intéresse et. Euh, oh, moi, ça m'intéresse. Bon, au, <laughs> au top, au top. Et, euh, et donc, voilà. En fait, là, ce que je fais, c'est que j'utilise un masque. Et ça, les masques, c'est pareil, c'est assez important parce que du coup, ça me permet de. Là, si je désactive mon masque, donc, y a... je remplis mon, mon calque de produit euh, euh, donc, euh, avec mon ombre. Et après, au lieu de gommer mon, mon calque et de perdre, en fait, ce que j'ai rempli, je vais créer un masque. Hop dessus et je vais euh, jouer avec le noir et le blanc euh, du masque. Donc, euh, si on met du noir, on, on gomme le masque. Si on met du blanc, on reprend le masque, on, re, on, on le remet quoi. Et, ouais. euh, et ça, c'est assez important parce que du coup, euh, ça me permet de toujours revenir. Si je me suis, euh, euh, si j'ai fait un truc que je voulais pas avoir, hop, je peux remettre ma couleur par dessus et ça, ça me ça me permet de pas rechercher ma couleur que j'ai utilisée euh, euh, et de revenir dessus. Là, je peux juste prendre du noir et du blanc et gommer, effacer, revenir. Ça, c'est assez intéressant. Euh, là, ben, ça, c'est juste une histoire de, de, de savoir d'où la lumière elle vient. Euh, là, la lumière, elle vient d'ici un, un peu derrière lui. Ouais, un petit peu derrière, euh, comme ça, ouais. Exactement. Et du coup, ça, si vous savez d'où vient votre lumière, vous pouvez aller poser là. Hop, ça va taper ici, ça va taper un peu sur ce volume là, un peu derrière ses épaules, sur son genou, euh, sur sa, sa jambe ici, comme ça. Et en fait, on va pas avoir beaucoup de lumière dans toutes ces parties là. On va pas en avoir beaucoup parce que, comme ça vient derrière lui, faut bien euh, avoir euh, ben, ce, cette idée de, ben, des volumes de notre personnage. Euh, C'est pour ça qu'il faut toujours voir un peu en 3D ce qu'on a. Euh, et du coup, ça donnera encore plus de volume à, au perso si, euh, si les, la lumière est cohérente par rapport au, au background aussi, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un, un petit type de lumière aussi. Et, euh, et puis après, moi, j'ai un autre petit calque, bon. un autre petit calque d'ombre qui revient donner un peu de volume en fait à l'intérieur, euh, voilà, sous le nez. Donc ça, c'est vraiment de l'ombre un peu générique euh, qui vient juste euh, définir quelques shapes de visage et tout ça. Ça permet d'avoir de, de, encore plus de volume euh, qu'avant. Voilà, ouais, petite, est hyper cool. Ouais. Les, étapes, après... euh, les étapes d'ombre et de lumière, ça, ça change la vie. Hein. C'est ça. Mais en fait, une fois que le perso, après, il est, en, il est flat, on a toutes les couleurs de base, on peut s'amuser ouais. avec, euh, avec les lumières. Parce que là, une fois, si j'ai envie de tout changer comme lumière et de, de faire tout l'inverse, je peux, tu vois, parce que je sais que ça, ça ne bougera pas en dessous. Quoi. Alors que si tu as fait tout sur mmh. un calque... Ça c'est horrible quoi. C'est clair que. Donc, ça c'est plutôt vraiment le, le, le côté pratique de Photoshop, l'air de rien. Euh, on va pas se mentir. Et là, du coup, j'ai un petit truc bah, j'ai la rim light quoi, qui va venir avec. Euh, la rim light qui vient encore plus euh, euh, taper la lumière plus forte euh, et montrer vraiment une lumière, un, un vrai détail lumineux sur le, sur le personnage. Et ça vient encore plus le détacher du, du background. Ouais, voilà, donc ça c'est en, pro... en mode normal. Hein. Et, euh, et puis le fameux calque lumière crue euh, qui va arriver, hein, tu le <laughs> tu connais ouais. maintenant. Le fameux calque lumière crue qui marche pareil que, qui marche pareil que sur le background. Hop, euh... ah non, c'est pas celui-là, pardon, c'est celui-là. Mais il y en a deux. Il y a celui-là qui vient en fait rehausser la, la lumière là. Je sais pas ouais. si tu vois la différence. Euh... Donc il vient rehausser euh, toute cette rim light et il vient la faire. Euh glowy un peu tu vois. Ah euh, oui ok. Un peu brillé oui, okay. et, et c'est le, le bounce tu vois dont on parlait sur les sur les cailloux en bas là. enfin sur les, les cailloux, oui, le, oui, okay. les îlots. Euh, et c'est pareil, j'en ai j'ai un calque aussi qui est assez intéressant, euh, c'est par rapport à la perspective atmosphérique, comme on a beaucoup d'éléments euh, euh, et de plans qui se séparent, eh il faut bien les... Euh, les séparer euh, par de la couleur et de, de l'atmosphère en fait donc là okay. en fait si tu si tu remarques tu vois on a ce premier plan avec le pied ouais. le second plan c'est tu sais, comme j'avais parlé au début et ben ça je le marque encore plus avec des petits dégradés tu vois de lumière en fait okay. une lumière un peu bleutée pour ouais, vraiment ouais. Ah, séparer ça, ces éléments tu vois ouais même finalement faut pas avoir peur de le faire même sur un personnage qui a il y a que un mètre de distance entre les éléments quoi moi je connaissais ouais. ça pour les décors mais pas du tout pour euh... Mais en, en soi euh, si tu arrives à être léger tu vois, je pense qu'il faut pas le faire trop euh, puissant tu vois mais si tu es léger euh, tu vois là le perso il fait presque trop plat et comme si tu vois comme la, la, la oui. le genou il vient tellement sur le corps du perso qu'on peut se dire il euh, y, a, y, a y a un problème il dans le ouais on se dit c'est quoi ce truc ouais c'est ça il est comme euh, trop lié en termes de valeur parce que bah, du coup, le, le, normalement, quelque chose qui est beaucoup plus proche de ta, de ta caméra, entre guillemets, de, de, de ton mm -hmm. objectif, il va être beaucoup plus euh, euh, mis en valeur, il va être plus contrasté par rapport à, à ce qu'il y a derrière. Bah, C'est vraiment la perspective atmosphérique, pour le coup. Ouais. Euh, et du coup, ça permet vraiment de détacher ces éléments-là. Et tu vois, du coup, il y a, y, a, y a un vrai détachement entre le genou et le corps qui est derrière. Donc, euh, ça crée encore plus de, de perspectives. Ouais, et, ça aide euh, beaucoup dans l'image, ouais. Et voilà, je crois on arrive à, à, au bout de cette ilu, quoi. Euh, donc euh, assez simple du coup, background, personnage euh, et puis euh, bah, c'est pareil pour ce genre d'illustration aussi, euh, là j'étais un peu plus freestyle, j'avais laissé le, le trait de contour etc euh, et, et voilà quoi euh, je, je pense que c'est un peu pareil sur toutes les illustrations après il y en a qui sont un peu plus complexes que d'autres euh, mais si vous arrivez euh, déjà euh, euh, à euh, caler les couleurs de base et vous amuser après sur la sur la couleur et les lumières euh, c'est le plus important quoi ouais c'était hyper intéressant le, on a envie d'en voir plus mais euh, c'est pas grave c'était déjà tellement cool merci de nous avoir partagé oh, ton process j'ai l'impression ouais, que c'était c'est plein de petites étapes et c'est pas je trouve que l'erreur souvent quand on débute c'est de vouloir tout faire d'un coup tu vois d'avoir euh, par exemple en retouche photo tu vois tu vas mettre beaucoup de contraste pour faire ressortir les trucs alors qu'en fait c'est plein de petites étapes et plein d'amour et de, de touches et à la fin c'est un vrai truc euh, hyper ouais, cool. Ouais pas avoir peur euh, de. Souvent je me retrouve avec des illustrations à, à plus de 100 calques. Enfin euh, surtout quand je travaillais sur la ouais. BD parce que il bah, y avait plein de plein de cases etc. Mais euh, mais ouais maintenant je, je me je me prends pas la tête si j'ai envie de. En plus ça, ça, ça sécurise quoi. Ça sécurise un calque. Dire qu'on okay, on a posé cette base là. Là je vais le faire sur euh... et je pourrais être encore plus euh... Encore plus vénère là-dessus, je pourrais très bien séparer chaque vêtement, par exemple, euh, sur chaque calque, pour aller lui ouais. mettre une couleur et une. Euh, parce que une, fois que une fois que tu veux, imaginons, changer juste la couleur du t-shirt, si tu as le calque t-shirt, tu as juste à bouger un peu ta, ta couleur bah et ouais. tout ça. Mais... Bah ça, tu vois, j'imagine très bien ça, euh, devoir travailler comme ça quand tu bosses sur un film d'animation où euh, il faut tout qui est séparé. Ah ouais, totalement. Je conseille et je vous conseille la session avec euh, Maëlys Garcia qui était juste incroyable. Elle est, euh, bah, elle a fait les, elle est concept artiste, donc elle a okay. bossé pour, je pense, tous les trucs euh, qui te plairont. Elle nous avait décomposé une, un de ses visuels, mais je pense qu'il y avait 437 calques. Et, par <laughs> contre, c'était exactement ton process. Donc tu vois, il y, y a toujours mais une logique. Non, mais comme quoi, je pense ah, qu'on ouais. a, on a aussi euh, tous euh, la même, euh, la, le, la même méthode. Parce qu'au début je pense qu'on ne commence pas comme ça, mais une fois qu'on qu veut aller vite, qu'on veut faire bien, qu'on veut être efficace, c'est ça, c'est tu te dis, ok, ben euh, là je vais faire étape par étape, je ne vais pas brûler les étapes. Euh, souvent, oui, on veut direct aller mettre la belle lumière, le beau truc et tout, mais, oui, mais en dessous, ça ne marche pas, quoi, tu vois non, ouais, donc c'est euh, vraiment ce qu'il y a en dessous aussi qui, qui est important et, euh, et être patient quoi sur euh, euh, les étapes du truc. Alors attends. Bon, du coup on, a, on arrive à la fin. On a déjà dépassé. On se fait couper dans cinq minutes. Donc okay. ce sera le mot, le mot de la fin euh, bientôt. Je regarde ça un y peu. Romain qui nous dit euh, vraiment cool Antoine. On a il euh, y a plein de messages. Clémentine qui dit j'écoute en bossant super session tout le début sur les aspects carrière c'est bien intéressant et la démo est trop cool. Dylan me dit c'est grave intéressant. Je trouve ça complexe un peu mais trop cool. <laughs> et euh, tiens il y a Alexandre qui me rappelle dans le chat. Que il y a le Off Festival bientôt. Alors je ne sais pas si tu connais, mais c'est un peu comme euh, Adobe Max, mais la version un peu européenne, qui okay. revient cette année en physique enfin. En Donc c'est à Barcelone. Et il euh, y a une option de, vous pouvez participer si vous voulez, vous pouvez envoyer vos portfolios, vous pouvez vous inscrire pour des portfolios review. Donc c'est okay. hyper cool, c'est une super opportunité. Et euh, même si vous ne pouvez pas y aller physiquement, euh, ce sera diffusé euh, en vidéo. Donc euh, pour tous ceux que ça intéresse, n'hésitez pas. C'est des super professionnels, des créas passionnés. C'est toujours cool pour progresser et se faire aussi repérer. Et euh, voilà, faire partie du. Être là, faire partie du. du, du être des dévets, être là. Cool. Comme ça, on pourra dire euh, ça va. On est là. Hein. On... Bah ça ouais, c'est bon. Il y a un mec qui Je vous a partagé nous... le lien. Si euh, Envoyez vos portfolios, oh, vraiment. N'hésitez pas. Et puis voilà. Bah, écoute, est-ce que tu aurais un mot de la fin? Non, on euh, bah bah de déjà, déjà merci de, de, de cet accueil euh, bah c'était un plaisir j'espère que vous avez tout kiffé euh, la, la petite session euh, explication euh, taf merci beaucoup de, de, de ton accueil Pauline et puis euh, bah, du coup euh, le petit mot de la fin c'est euh, suivez moi sur les, <laughs> sur les réseaux euh, <laughs> sur Insta, sur Youtube euh, pour, pour en voir plus euh, dans, le, dans le futur et puis j'espère que euh, on pourra refaire une session bientôt aussi pour euh, plus de, de tips et de choses comme ça et, euh, ah, et, et coup, voilà. Avec plaisir. <laughs> bah, du coup, moi, comme d'habitude, je vous retrouve. Euh... Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, mais demain, vous avez encore les sessions avec Franck. Donc, demain, vous avez une idée et concept art. Tiens, d'ailleurs, demain, c'est concept art. Donc, avec Nicolas Weiss. Et après, vous avez une session euh, dessinée ensemble avec Kyle. Donc, ça va être trop cool. Et après, jeudi, il y a encore de l'illustration. Bon, tous les jours, hein. de toute façon, ça ne s'arrête jamais. Ouais. Donc, euh, voilà. Et bah, merci Antoine. C'était hyper intéressant. Merci à avec tous. Merci à tous c'était super cool euh, ça faisait du bien ça donnait la pêche question que on les aime bien voilà bonne fin de journée tout le monde allez salut. à la prochaine salut salut bye